Alors ça se passe plutôt bien, on a le soleil, donc jusque là ça va. La piste, on est en train de la préparer pour les manches de cet après-midi. En termes de spectateurs, je pense qu'il va y avoir une bonne affluence. Enfin, il y en a déjà eu une bonne tout au long de la journée, et je pense, enfin, tout au long de la matinée plutôt. Je pense que cet après-midi, ce sera sensiblement la même chose. Nous, notre but, c'est, alors j'ai repris la présidence il y a un an et demi, le but c'est d'aujourd'hui d'essayer de se développer un maximum, de faire connaître le sport moto en Haute-Marne, puisque à l'heure actuelle on n'est que trois motoclubs, et essayer de se développer un maximum et éventuellement ouvrir une école de pilotage avec du matériel, acheter du matériel à disposition des plus jeunes pour vraiment faire perdurer notre discipline. Le but avec nos cuves alizées, c'est d'arroser le terrain parce qu'il est interdit qu'il y ait beaucoup de poussière sur les circuits pour faute d'annulation de course. Donc pour la sécurité de tous, il vaut mieux arroser. Ça va très vite à vider, ça va prendre 5 minutes, entre 5 et 6 minutes à peu près. On va se partager les endroits. Le premier, Tangola. Je profite donc pour